Salut les amis, c'est Chroma, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dislight et aujourd'hui on va faire un gros opening, on a 40 tickets à ouvrir, donc une fois 40. Après je pense que ça va se calmer un peu parce que voilà, j'ai farmé pas mal de tickets de disques d'or et là je commence un petit peu à moins réussir à en farmer qu'avant. C'est normal, on avance un petit peu dans le jeu. Ma team du coup, on a toujours le Sun Wukong 5 étoiles, Mamona est passé 5 étoiles du coup. Mon petit Aobing, alors Long Yam, moi j'appelle avec les noms de base, donc Artemis, voilà, 5 étoiles. Aobing, 5 étoiles aussi. Ma petite Freya, 5 étoiles. Et je joue du coup Nefertum, bientôt 5 étoiles. Alors je passe vite parce que Nefertum, je peux me faire striker YouTube pour à cause de Nefertum, donc c'est pour ça que je passe un petit peu. D'ailleurs, des trucs assez comiques, hein. Hop. D'ailleurs, il y a des trucs assez drôles. Alors, je vais prendre, on va peut-être apprendre Nefertum plutôt. On va prendre, voilà. On peut aller dans la vie. Dans la vie, c'est vrai qu'il y a des trucs. On s'en fout de savoir si elle est belle ou pas. On veut juste savoir si elle est viable. Voilà, qui est franchement efficace. Mais il y a des. Voilà, elle me nie très bien, les grosses. Voilà. voilà, les avis, c'est un petit peu full troll, j'ai envie de dire. Je suis dans un club. J'ai réussi à arriver dans un club. Donc, ça, c'est cool. On va aller du coup dans Echo. Et on a 41 disques d'or. Donc, on va se faire plaisir. J'espère choper un légendaire. Voilà, donc là, il me reste 70 tentatives. C'est-à-dire que là, on est à peu près à la moitié. Donc, en termes de tickets. 35 à la moitié de 70. Mais bon, on va dire 40. Donc, je pense que là, je peux avoir une chance sur deux d'avoir un légendaire. Donc, c'est parti. 1% de chance. Mais il y a un garanti. Ça peut arriver à tout moment. On commence par Dolipic. Ça me va très bien. Doublon de Aobing, ce serait parfait. Tigre blanc, ce serait nickel. Doublon de Mona, je prends aussi. Des nouveaux persos, je prends aussi. Chez Horus, je l'avais déjà. Jeanne encore. Brin, ça c'est cool. Liao. Ah, c'est le perso alors qu'on peut avoir qui est offert. Je vous montrerai après. Lin, donc je l'avais des. Shanku, ça c'est cool. On a eu un Hathor Lin, donc on avait déjà Hathor. Donc, parce que on a en fait en ce moment vous avez une quête sur Dislight. Vous avez à peu près entre je sais plus c'est une semaine à 10 jours et vous avez des défis à faire assez simples, par exemple atteindre le niveau 15 dans les Rébiums Sonic ou genre, les Rébiums Infini, ce genre de truc. Et donc vous pouvez obtenir une Hathor, je l'ai déjà, donc ça me fait un doublon, c'est cool. Allez, légendaire peut-être, épique encore, c'est cool, on est dans les 9%. Un épique et un scintillant. On commence direct par l'épique. Tigre blanc peut-être. Ah, Louis, tiens. Personnage que j'ai joué au début du jeu. Tengyun, Freddy, Fenrir plutôt. Jason, Baldr, Anubis, Gerda, Idun, Sekhmet. Louis, c'est cool, c'est un personnage qui est pas très fort, hein, clairement. Je l'ai remplacé Nefertum, enfin j'ai remplacé lui par Nefertum, une healeuse. Mais je l'ai joué, donc c'est un archer, hein, j'ai déjà Mona, donc c'est vrai que double archer c'est un petit peu là. Juste qu'il est un peu moins fort parce qu'il notamment il a une compétence passive. C'est parti. Allez, on a encore. Allez hop là, on tourne le cercle à fond. Épique encore. On va vraiment aller jusqu'à la pitié par contre. Waouh, double épique. Allez, sors-moi un tigre blanc là. Ah, ça c'est bien. Ça c'est un bon perso. Je suis content. Je l'avais pas. Mimir, bon personnage. Très très bon épique. Il reste encore un épique qu'on n'a pas eu. Wow, double Mimir! C'est cool! Alors, lui, je pense que je vais peut-être le jouer plus tard, mais voilà. Mais je pense qu'il est vraiment jouable, lui. En plus, c'est un brasier, je ne joue pas de brasier dans mon équipe actuellement. Je joue double vent,
double vent, double haut et un scintillant. Donc, je ne joue pas de brasier. Allez, la x10 qui arrive. Je tourne et je relâche. Allez, légendaire. Aïe, scintillant bleu, ça pue. Qu'est-ce qu'on peut avoir en personnage bleu sympa? Shanku, Elena, enfin Hélène, Tenyu, je sais pas combien on en a eu, mais on en a eu une toute une flopée. Hein. Eros, Bérénice, ça c'est cool. Et Baldre. Voilà. Je vais dans mes petites missions. Oh, ça c'est bien. Espère, on va regarder un petit peu ce qu'on a eu. On part à la, on part pas à la toute fin. Oh, ça c'est toutes mes petites, étoiliums que je suis en train de monter. Alors on a eu, ah lui je ne l'avais pas. Chalmers. Et où est-ce qu'il est notre nouveau là? Ça c'est pas mal ça. Mimir, secret des Idas, infligé de l'attaque. Je regarde un petit peu. Bon personnage, c'est cool de l'avoir eu. C'était Chroma. Tu vois, je regarde un petit peu, tu as Chronos, je regarde un petit peu, tranquille. Voilà, c'était Chroma. Donc, j'espère que cette petite vidéo sur Dislike vous a plu. La prochaine vidéo, ce sera alors peut-être une présentation de personnages, d'espères, je ne sais pas. En tout cas, pour une vidéo écho, ça va être dans pas tout de suite, parce que là, on va se calmer un peu au niveau des invoques. Voilà, ce sera. J'attendrai d'avoir au moins 30 ou 40 invocations avant de refaire une vidéo. Bah, c'était Chroma, n'hésitez pas à commenter, liker, dites-moi ce que vous pensez de mon équipe, partagez la vôtre aussi dans les commentaires. Voilà. Salut les amis.